Eh bien salut à tous, gamers et gameuses, c'est Doc. Aujourd'hui, eh bien on se retrouve pour une vidéo un petit peu à chaud de l'E3 2018, en plus particulièrement de la conférence de l'E3. Que dire, nous avons eu du teasing, un jeu mobile, un nouveau jeu mobile, un anniversaire. Par contre, j'ai pas bien compris pour les deux anniversaires qu'ils ont dit. Nous avons un nouveau jeu qui n'est plus sorti depuis 25 ans. Nous avons quelques petits trucs comme ça. Donc nous allons aller crescendo. Nous allons d'abord parler de Prey. De Prey, le jeu de la sous licence Bethesda, est un jeu de survival horror. Si je ne m'abuse, c'est comme ça qu'on dit. Où vous incarnez un gars qui tue des mimiques pour survivre, machin bazar. Ce jeu aura une mise à jour gratuite. Ils ont précisé le gratuite. du jeu, donc avec des nouveaux modes de jeu. Dont un qui, ma foi, est intéressant parce que c'est comme si vous reviviez l'action. Mais à chaque fois, ils ont dit les monstres sont différents, les scènes sont différentes, les maps sont différentes, et ainsi de suite. Donc tout le jeu sera tout le temps différent. Voilà, ça on passe un peu à côté, c'est pas ça qui nous intéresse. Ensuite, il y a de nouveaux jeux. Wolfenstein, de la franchise Wolfenstein. Ça non plus, je suis pas fan. En gros, vous pouvez jouer en coop ou en solo, et en fait, vous êtes 200 jumelles qui vont déglaguer des nazis. Il y a aussi le fait que, vu que Bethesda, on le sait tous, ou bien vous ne le savez pas, sont très axés VR et ils voient vraiment l'avenir dans la VR d'un bon oeil. Eh bien, ils ont décidé de faire un Wolfenstein en VR, où vous, si j'ai bien compris, vous prendrez possession d'une armure, je pense, je suis pas sûr de moi à ce niveau-là, pour déglayer du nazi, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est, voilà. Donc, maintenant je vais vous parler, bon, c'est un teaser, évidemment, une franchise qui n'est plus sortie depuis 25 ans d'après Bethesda, c'est Starfield. On n'a pas de date, on sait juste que le jeu va venir avant celui que je vais vous parler maintenant. On a eu un teaser d'un jeu très longtemps attendu, puisque, si je ne m'abuse, son prédécesseur était sorti il y a bien, on va dire, 10 ans. Je dis ça comme ça, je dis ça comme une fourchette. Alors. Elder Scrolls 6. Mais le souci, c'est qu'il sort après Starfield. Alors on peut imaginer que donc The Elder Scrolls 6 ce sera pas avant 1 ou 2 ans. C'est très dommage comme ça. Voilà. Bon. On n'est pas venu ici pour souffrir, d'attendre. Vous n'êtes pas là pour souffrir d'attendre. Je vais bien sûr vous parler de Fallout 76. Alors attention, disclaimer alert. Mais ça, je vous l'avais dit, Kotaku et tout ça, ils sont pris une petite quenelle. Tous les suspicieux et tout ça se sont pris une petite quenelle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, le jeu, à mon plus grand regret, sera multijoueur. Mais ce n'est pas non plus un MMO. Ce n'est pas non plus un Rust-like. Ce n'est pas non plus un DayZ-like. Ou tous ces jeux-là. Non. C'est un jeu, pour ce qu'on a vu, maximum 4 joueurs. Donc, nous compris, donc nous avec 3 amis qui pouvons jouer en multi. Alors, pour ceux que ça n'intéresse pas le multi, alors que c'est comme sympa au final, pour les images qu'on a vues du gameplay et tout ça. Dommage, je pourrais pas vous en mettre parce que c'est une réaction à chaud, la vidéo est pas travaillée, je suis en plein examen, j'avais pas à dormir, donc je me suis dit, tiens, je vais regarder la conférence. Donc voilà, donc le jeu se déroulera en Virginie de l'Ouest. La date de sortie, c'est le 20 novembre 2018, si je ne m'abuse. Ils nous ont montré la boîte collector. Donc, 4 joueurs en multi, solo jouable, Virginie de l'Ouest. Il y a une petite particularité avec ce Fallout. C'est que, d'après ce qu'ils nous ont montré, il y a 4 silos nucléaires, c'est nucléaire, pour lancer 4 missiles nucléaires. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rebalancer des bombes atomiques dans la gueule de la Virginie, ou peu importe où vous voulez. Petite chose à noter en plus, c'est que ça se déroulera 25 ans après la chute des bombes.
Donc la chute des bombes, on estime ça à 2077. Et 2080, 2077, 2070. Et donc 25 ans après, c'est vers 2102, enfin dans ces eaux-là. Donc c'est déjà comme ça. On a eu les premières images du monde extérieur, les premiers monstres. Et je peux vous dire que ça déglague, que ça déglague. C'est abusé. Ce jeu m'a hypé de ouf. J'étais fortement déçu par toutes les rumeurs et finalement j'en sors fier. Parce que 4 joueurs jouables, je sais pas si vous avez participé au Ghost Recon Wildlands ou quoi, c'est vraiment quelque chose de sympa. D'ailleurs, ils vont reprendre le même truc, c'est que les. Et ça, c'est mon chat qui me fait chier encore une fois. Mais dans les Ghost Recon Wildlands, vous voyez, vous aviez votre expérience personnelle et tout ça, votre truc perso. Et là, ce sera pareil. Et la bêta commence normalement, d'après ce qu'ils ont dit, à partir de maintenant. Ou bien avant, je ne sais pas. Encore ça, j'ai pas compris. Ils ont parlé de la bêta, mais ils ont pas donné vraiment de date, donc je suppose que ça commence aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a un système de bêta, je crois, en Early Access. Ensuite, bon, bah moi, j'essaierai de gratter à zened.net un pass bêta pour ce jeu. De toute façon, je trouve que je vais la stand-by, hein, évidemment. Donc, que dire de plus? Oui, donc il y a aussi encore les settlements. Les settlements qui, eux, maintenant, sont portatifs, en guillemets. Donc, voilà. Les settlements, vous avez une genre de boîte que vous déposez sur le sol. Vous créez votre petit village, je vais dire ça comme ça, parce que ça veut dire settlements, c'est chiant. On a plus de Preston Garvey pour nous faire chier tout le temps, nous dire ça. Oh, another settlement, need your help. Lol. Non mais voilà, c'est très intéressant, très intrigant, parce que les nouveaux monstres ont l'air bien plus puissants, bien plus mastoc, que à côté de ça, les Deathclaw sont vraiment des chatons, quoi. C'est abusé, c'est ils se retravaillent le truc, donc ils disent que ouais, vous pouvez jouer en solo, mais c'est quand même préférable de jouer en multi. Bon bah pour vous, dès que j'aurai le jeu. Je tenterai l'expérience en solo et en multi, et de toute manière, je devrais rédiger un article de test complet sur le jeu. Le jeu, d'après les images qu'on a vues, est sous le moteur graphique de Fallout 4. Pas étonnant. C'est un bon moteur graphique pour ma part de Fallout. Même si on sait tous, Fallout New Vegas par exemple était en retard. Là, je suis crevé et dans 4 heures, dans 3 heures, j'ai un examen. Que dire de plus? Ah, j'en perds mes mots, j'en perds mes mots, j'en perds mes mots. Donc ouais, il y aura ça, il y aura de ça. Donc multijoueur. Vous pourrez prendre des photos en multi. What the fuck? Mais voilà, donc ça me ferait plaisir, bien honnêtement, de jouer à Fallout 76 avec plusieurs d'entre vous. En vocal, ça pourrait toujours être sympa d'avoir une petite atmosphère un peu comme ça, jouer, communauté et tout ça. Donc voilà, donc j'ai dit. Voilà, donc moi personnellement, quand j'ai vu, parce qu'ils nous ont fait attendre ce connard, ils nous ont fait attendre, et quand j'ai vu le trailer de Fallout 4, 76, j'allais dire Fallout 4. Oh, mes poils se sont hérissés! J'étais hypé de ouf! Et je le suis encore plus maintenant! Putain, j'étais tellement hypé, vous savez, que je n'arrivais même pas à dormir. Je me suis réveillé à 3 h du mat, j'étais en mode. Putain, j'essaie de dormir, j'arrive pas, il faut que je dorme, j'ai l'examen! Et au final. Yes! Enfin! 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 Ça fait du bien! Ah oui, donc je disais. Ils ont parlé de l'anniversaire de Fallout 3 et de Fallout Shelter. Fallout Shelter a 3 ans aujourd'hui. Et Fallout 3 a 10 ans aujourd'hui. Par contre, ils ont pas rien dit de plus. Ce qu'on peut admettre aussi, c'est qu'il y a eu des leaks sur. Merde. Sur Reddit et tout ça. Comme de quoi. Bah, il y aurait eu dans le code de Steam, dans la database de Steam, une grosse mise à jour de 6 Go
cachée pour Fallout 3 en fait. L'avantage c'est que si c'est une grosse mise à jour, vous voyez, remaster, en guillemets, que ça corrige pas mal de bugs, je pourrais enfin vous streamer du Fallout 3. Et c'est ça qu'on veut. Parce que j'ai essayé de jouer à Fallout 3, que des plantages à répétition, ça me casse les couilles. Le jeu n'est pas du tout adapté aux machines d'aujourd'hui. C'est triste parce que je rame, je lag, j'ai des plantages et tout ça. Donc, bref, j'espère vraiment que c'est un genre de remaster comme ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà. Et our future begins, comme on dirait dans Fallout 76. Voilà, je suis vraiment hypé. J'espère que vous êtes autant hypé que moi. C'est une vidéo à chaud, comme je dis. Donc voilà, donc je vous ai vite fait débriefer un petit peu de tout ce qu'il y allait avoir. Ah oui, aussi, j'ai oublié de le dire, mais la map sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Ah voilà ce que j'ai oublié. J'ai oublié le pack collector. Qu'est-ce qu'il y a dans le pack collector? Il y a une carte de la map. Déjà, la carte de la map, il semblerait que dans le Pit Boy, elle soit bien plus détaillée. Mais la carte de la map qu'on a en poster, comme on avait le tableau spécial dans le collector de Fallout 4, ici nous aurons la map. Pardon, je suis crevé. Nous aurons la map qui est fluorescente, donc dans le noir elle s'éclaire. Nous aurons peut-être 6 figurines, si j'ai bien compris, 6 petites figurines en plastique, aléatoire. Général, ça mange pas trop. Mais alors là, le best du best, ça reste effectivement le casque de la T51B, enfin de la T51, qui sera disponible. Le casque fonctionnel. Pourquoi je dis fonctionnel? Non, il va pas vous éviter à suffoquer, à prendre des radiations et tout ça, non. Fonctionnel parce qu'il a un voice changer, une headlamp et il est wearable, donc vous pouvez le porter. Il a un système de changement de voix et une lampe torche. Vous avez la lampe torche ici, le changeur de voix ici. Ça risque d'être excellent. Je pense sur ce truc. Ah, je vais laisser stand-by et je ferai un unboxing pour vous, évidemment, si j'ai des dons et que je deviens riche et célèbre. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'avais complètement zappé l'édition collector, désolé. Donc l'édition collector, généralement on aura le jeu, mais pas de season pass, hein, comme à notre habitude. C'est pas bien grave, mais voilà. N'oubliez pas, our future begins.